Et salut les VTTistes, salut les cyclistes. Et ben ça y est, le confinement, on a le droit de sortir. Du coup, lundi matin, on est parti avec le VTT. On est reparti dans les bois noirs, en famille. Pendant 2 mois, on n'a pas bossé. 5 kilos de plus sur la balance. Et ben ça va piquer aujourd'hui. Lui, le grand, il s'en fout. Il a les cuisses, mais pas nous. Petit rando familial, peinard. Les 5 kilos en plus, et ben ça pique. Ça pique, ça pique. Évident. Là, le tour qu'on va faire, c'était le tour d'entraînement. Je faisais avant. Mais là, je crois que ça va pas être de l'entraînement. Oh putain, oh, je crois qu'aujourd'hui je vais râler les gars. Pourtant pendant le confinement, moi j'ai continué à travailler. C'est que je me suis bougé mais pas assez. Bon, ça passe pas comme ça non plus. Hier, on a attrapé les premiers chemins plats, et après on attaque les montées. On en a fait que 1,5 km et on est déjà cuit. Normalement on part pour un 17 km à peu près, on verra bien. Premier abandon. Ah putain. Tout le monde a décroché. Je peux pas trop vous parler. J'ai plus d'air. On va voir si on reste sur le même parcours ou si on réduit, parce que madame est diabétique. Et si ça va pas, on va être obligé de réduire et on fera une autre sortie plus tard. C'est du bien de revenir. Depuis le temps. Pas pour moi. C'est pas grave ma puce. On va essayer. Hein. Par contre on va descendre doucement. Hein. Vous passez devant moi, comme ça au moins. Devant toi. Ouais, moi je vais pas rouler. T'arriveras à finir la route ou pas? Ou sinon on fait demi-tour dans ce sens et on rentre à la maison. Hein. Non. Ça va faire quoi? Ça va te mettre 5 km de plus. C'est bon? Bon, bah écoute.
C'est pas grave, je préfère que tu me dises maintenant que tu peux pas en faire plus, que une fois qu'on est dans les bois noirs là, que tu me dises là vous faites attention à la descente, hein, c'est longtemps que vous avez pas fait de descente. Tu vas là-bas? Non non, bon, comme vous voulez. Bon, ben, on a décidé d'arrêter la sortie. On va finir une descente, un peu de route. Et puis on arrête. Le physique n'est pas là, c'est pas la peine. Tout droit. Pas la peine d'aller se faire mal. Allez, le cul en arrière. Voilà. On va finir juste une descente, un peu de route. Et on aura terminé. Voilà. Là, on est passé par la descente plus facile. Bloque pas ta roue. Voilà. Bloque pas ta roue, Enzo. Voilà. Pas grave. On est sorti en famille. On a repris l'air. Mais les chemins ils sont quand même propres hein, pour dire que ça n'a pas roulé. Hein. C'est bien. Non, non, mais vas-y, vas-y. Elle est tranquille, ça, la bébé, elle est tranquille. Freine du frein arrière, à droite. Lâche un peu les freins, Zo, toi. Voilà. Ça fait récupérer tout le monde en plus. Là, là, tout seul, là, vous la prenez. À fond les ballons! À fond les ballons! Cool. Tranquille, tranquille. Freine du frein arrière. Et ben, finis à pied. C'est pas grave, c'est pas grave, bébé. Là, vous voyez, pas comme ça, c'est bien. Moi, j'ai le Kylian derrière, alors je ne veux pas faire le con. Voilà. Et après, tu vas à droite, Enzo. Ça fait du bien. Et la maman. Donc il faudrait des freins à disque, toi ça sera mieux. Non mais c'est surtout que j'ai mes jambes qui tremblent. Non mais comme non mais rien que tes freins à disque, tu vois, ça freine vachement mieux, t'es plus en sécurité qu'avec ces freins de merde. J'ai mes jambes qui sont en compote, donc on est en train de chercher un itinéraire bis pour rentrer plus vite. Alors vraiment on fait beaucoup de kilomètres mais bon. Tant pis. Bon, ça abandonne dès le début de la montée. Poulidor a abandonné. Avec Kiki on va essayer de se la taper. Mais c'est pas gagné. Voilà, ça passe. Même si j'ai pris 5 kilos, ça passe. 6 kilos. Ta gueule, pas le dire. Allez, on l'aura fait. C'est cool. Il va falloir se remettre des objectifs. Comme ça, pour continuer à avancer, à travailler, récupérer le peu de conditions physiques qu'on avait avant. Parce que là, on a perdu énormément. Les amis, et ben c'est la fin de cette toute petite vidéo. On a rattaqué et ben le VTT.
Après ces 2 mois de confinement, on a réussi à tenir le coup sans aller pédaler, sans aller se faire plaisir sur route ou dans les chemins. Du coup, moi, j'ai commencé à m'entraîner sur Home Trainer et puis j'ai lâché par rapport au travail. Et puis, ça ne m'intéressait pas vraiment de rester dans mon jardin à pédaler. Alors, du coup, aujourd'hui, on a voulu se faire une petite sortie familiale. Et on a dû l'écourter, point de vue physique, pour madame qui ne l'avait pas. Faut pas croire, moi non plus, je ne l'ai pas non plus. Le physique, je n'ai pas tout rattrapé. En espérant que vous, de votre côté, votre confinement s'est bien passé et que vous allez rattaquer doucement, sans se faire mal. On fera une prochaine vidéo, je vais ressortir. Là, on est lundi, je vais essayer de ressortir dans la semaine pour refaire une autre petite vidéo. Ça sera encore du VTT parce que là, j'ai pas du tout le physique pour aller faire de la route. Alors, du coup, on va rattaquer le VTT. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Surtout, maintenant, faites du vélo en extérieur, dans les chemins, sur la route. Faites-vous plaisir, mais surtout, faites très attention. Je vous dis à la prochaine. Et puis, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de partager. Allez, salut!